Et salut tout le monde, c'est Wolfaz de la chaîne Alexeflo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc voilà sur les réseaux. Tout d'abord, on se retrouve aussi surtout sur Paint. Alors, je vais m'expliquer. Alors, on va parler donc de réseau, donc sur le réseau d'accès. Je vais rentrer dans le détail en fait si vous reprenez un peu la vidéo où je parlais comment. Ah, ça va être chiant ça par contre. Comment fonctionnait globalement Internet en fait. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai en gros classifié sous forme de réseau hiérarchique comment fonctionne en gros tout le bordel quoi. Et on va rentrer après dans le détail un peu plus de chaque réseau. Et on va commencer par le réseau d'accès. Alors pas par le LAN parce que je l'ai assez bien détaillé je trouve dans la vidéo de présentation de comment fonctionne Internet, mais surtout que on peut rentrer dans plus de détails, mais ça c'est pas intéressant actuellement. Du coup, je vais passer donc au niveau du réseau d'accès et du coup sur Paint parce qu'en fait il va falloir que j'image beaucoup de trucs et le faire sur un logiciel de simulation réseau ou d'émulation réseau, donc Packet Tracer ou GNS3, bah, ça aurait été faisable, mais pas super parlant. Donc voilà pourquoi on va utiliser Paint dans cette vidéo. Moi je trouve ça extrêmement stylé, je suis super content d'utiliser Paint, attention. Donc avant de commencer aussi, petite excuse puisque ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas fait de vidéo pour une raison qu'on n'est pas du tout organisé et qu'on s'est fait un peu fait prendre de court par rapport aux événements, mais voilà, je vais essayer de rattraper la chose en faisant plusieurs vidéos cette semaine pour nous mettre un peu à jour, et on va pas perdre plus de temps en blablatage, si je puis dire ça comme ça, et on va parler du coup du réseau d'accès. Donc le réseau d'accès, si on reprend donc ma dernière vidéo, je vous ai dit que c'était le réseau le plus répandu, alors le plus répandu de manière physique, c'est-à-dire que le réseau d'accès, c'est en fait tous les câbles qui permettent de connecter tous les particuliers sur le réseau après derrière de l'opérateur, qui est donc le réseau de collecte, on verra une autre fois, peut-être la prochaine vidéo, je sais pas. Toujours étant que on a deux supports physiques possibles. Donc là enfin, en fait on va parler extrêmement physique, on va parler rentrer dans un peu dans le software, dans le logiciel, de comment ça fonctionne, machin, un petit peu, mais on va surtout se pencher sur le physique, puisque bah, c'est cette couche-là qui est extrêmement importante sur ce réseau-là, hein. C'est principalement physique de la manière dont ça fonctionne en fait. Donc on a deux supports possibles. On a le cuivre et on a la fibre, qui sont actuellement les deux supports possibles sur ce réseau-là. Alors attention, je parle bien donc de réseau d'accès pour les abonnements fixes, d'accord? Tout ce qui va être abonnement donc en réseau cellulaire pour les forfaits mobiles ou encore l'accès à Internet via les satellites, c'est un fonctionnement qui est complètement différent et on n'est pas sur du domaine physique à proprement parler en fait. On n'est pas avec de la matière, on est avec des ondes après derrière. Donc on n'est pas du tout sur le même type de fonctionnement. D'accord. Donc on a deux supports possibles quand je dis cuivre et fibre optique. Le premier, comme vous le pouvez l'imaginer, qui est le coup le plus répandu et qui a été le premier à être mis en place, c'est le cuivre. Rapidement, on peut aussi se le représenter dans la tête. En fait, les débits, ils étaient très nuls parce que tout le réseau, que ce soit même le réseau d'opérateurs, était en cuivre. Ce qui faisait que généralement, si on arrivait à avoir 2 mégabits par seconde, c'était déjà incroyable. Rapidement du coup dans les années 90 ils ont commencé à déployer de la fibre donc dans ce qu'on appelle les liens intercentraux et après sur les backbones opérateurs de façon à ce qu'on puisse fournir plus de débit pour les particuliers. C'est pour ça que en général, donc de manière générale, en ADSL, donc pour les offres particuliers, on peut aller jusqu'à 8 mégas descendant et 1 méga montant. Voilà. Je vous avais expliqué la dernière fois aussi, si je me souviens bien, pourquoi on n'a pas déployé la fibre tout de suite. Ben c'est tout simplement parce que la fibre, avant, c'était très très nul, c'était pourri, c'était du coax, mais une version encore pire. Du coup, ça faisait du gros débit sur à peu près 2 mm. Après, c'était mort, il y avait trop d'atténuation. Et encore, quand ils ont déployé la fibre après sur les intercentraux, ça coûtait extrêmement cher. C'était pas aussi bien qu'actuellement la fibre qu'on déploie pour du grand public. C'était hyper fragile, donc il fallait faire super gaffe, hein, c'était incroyable. Et enfin, on est très récemment, depuis quelques années maintenant, en train de déployer ma massivement en fait la fibre optique pour les particuliers, les entreprises. Enfin, les entreprises c'est un peu particulier, je vais mettre ça de côté, je vais y revenir après.
pour tous les consommateurs en fait finalement. Et cela s'explique par le fait qu'on a une demande forte qui est en pleine expansion, qui ne s'arrête pas, où en fait on a besoin d'énormément de débit, avec une latence la plus faible possible, et du coup c'est la fibre qui offre cette opportunité-là, surtout avec les dernières technologies de la fibre qui sont super fiables. Parce que si vous voulez, quand le support cuivre tombe en panne, bah c'est généralement parce que voilà, il a pris un pet, il s'est oxydé aussi, c'est souvent ça des fois aussi, hein, l'oxydation, machin. La fibre, si c'est bien fait, ce qui n'est pas le cas, si c'est bien fait, en théorie, c'est si ça tombe en panne, c'est que des erreurs humaines. Ou que c'est coupé, enfin voilà. Vous avez compris. Donc du coup, on va commencer par comment fonctionne du coup ce réseau d'accès. Pour le cuivre et pour la fibre, parce que c'est quand même bien différent. Alors je vais essayer de représenter ça le mieux possible parce que je suis pas non plus un professionnel de paint. Donc on va commencer donc par le cuivre, le cuivre, le cuivre. Je peux pas faire de zone de texte. Si. Ok, donc on va passer donc je sais pas écrire. Oula, bah oui. Donc le cuivre. C'est très joli, j'adore. Bon, c'est pas grave. Le cuivre. Donc ici, imaginons, ah, c'est dégueulasse, hein. Bon, ça va le faire. Et ici, imaginons, c'est donc votre box. C'est-à-dire que à sa droite, donc de ce côté-là, ça va être le réseau d'accès, et de l'autre côté, c'est le LAN. D'accord? Qu'on reprend donc mon schéma que j'avais fait pour comment fonctionne Internet. Ouais, on zoome sur la partie entre la box et le DSLAM. Et d'ailleurs, on retrouve ce fameux petit DSLAM. Alors, je vais essayer d'aligner le truc. Ici, bon, je vais être représenté par des carrés parce que je ne vais pas m'amuser à faire des formes super complexes. Hein. J'en ai un peu rien à foutre. Ça va pas nous aider. Deslam pour Digital Subscriber LAN Access Memory. Multiplexer, pardon. Multiplexer. Ok, donc sur réseau cuivre, donc c'est-à-dire que ici, donc de la box au Deslam, on est relié physiquement par un lien cuivre. Donc on a une continuité métallique, comme on appelle. C'est-à-dire qu'on a en gros un câble de cuivre qui fait ça. C'est très joli, j'adore. Franchement, c'est incroyable. Ça, c'est la représentation en gros logique. Derrière, effectivement, c'est le cas, mais on a quelques petites spécificités. Tout d'abord, on a le DSLAM qui n'est pas à l'air libre comme ça, bien évidemment. Il est dans un bâtiment qu'on appelle répartiteur ou centrale téléphonique, puisqu'en fait les infrastructures des centraux téléphoniques, ben, ils ont été réutilisés pour faire les répartiteurs. Donc répartiteur, comme ceci. Dedans, donc on trouve, c'est de son répartiteux, allez, hein, répartiteux. Ah mince. Je recommence. Je recommence. Répartiteur. Voilà. Donc les répartiteurs. Ah non, c'est qu'il veut pas afficher cet enfoiré. Voilà. Répartiteur, s'il te plaît. Je pense que c'est juste que j'ai pas assez étiré la fenêtre. Bon, c'est pas grave. Donc ce sont des locaux qui appartiennent donc qui ont été déployés par les PTT, anciennement France Télécom et du coup maintenant Orange. Donc ça appartient à Orange. Ce serait pas mal d'ailleurs que je fasse une petite histoire pour l'entreprise Orange, parce que c'est un sacré merdier, un sacré bordel, c'est quand même rigolo à savoir. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo, effectivement, c'est à retenir. Enfin bref. Donc ça appartient à Orange, et derrière, on a du coup tous les opérateurs qui possèdent leur DSLAM dedans, tels que donc Bouygues, SFR, Free, et forcément Orange. Et dans certains cas, on peut en avoir d'autres opérateurs, mais là je vais parler des opérateurs principaux qui possèdent tous les types de réseaux. Donc il n'y en a que 4 en France, parce que sinon après il y en a plein d'autres des opérateurs. Hein. Il y en a vraiment plein, mais qui n'ont pas forcément toutes les infrastructures. Là je vais me contenter de ça parce qu'après ça commence à être un vrai bordel. Donc voilà. Aussi, ouais, petite particularité, il y a Free qui aime bien ne pas faire comme tout le monde, ce qui fait qu'au lieu de mettre leur DSLAM en intérieur, des fois ils s'amusent à les mettre à l'extérieur, juste à côté du répartiteur. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de payer une location d'équipement dans les locaux d'Orange. Enfin bref, c'est free, il faut pas chercher. Donc voilà pour la première infrastructure du réseau d'accès. Donc voilà, donc tout ça en fait, ce que je vais représenter là-dedans, là, ça va être le réseau d'accès. Donc on a le répartiteur avec le DSLAM.
Derrière le Deathslam, on a quelques petits trucs. Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup de vous présenter ça parce que c'est pas super compliqué, mais si je vous montre ça comme ça, vous allez rien comprendre. En gros, on a des réglettes verticales et horizontales qui correspondent, ou avec des numéros de position qui correspondent en fait à une broche sur le Deathslam qu'on doit relier à une qui correspond donc en fait à une réglette horizontale que l'on doit relier à une réglette verticale qui correspond au transport vers la ligne abonnée et pour assurer la continuité métallique on doit les relier l'un à l'autre. Enfin bref, c'est pas hyper important de savoir ça, mais c'est comme ça qu'on fait pour faire en gros une production en cuivre quoi pour un abonné. Donc voilà. Donc on va passer à la seconde infrastructure qu'on a sur le réseau d'accès. D'accord, j'entends un bruit bizarre, on a essayé de m'appeler. Étrange. Enfin bref. La seconde infrastructure, c'est qui se situe globalement ici, qui a un nom très très compliqué, ça on peut pas le deviner, c'est le sous-répartiteur. Le sous-répartiteur. Tac, comme ceci. Alors si je monte comme ça, répartiteur, allez, répartiteur. Tac, plus communément appelé SR et lui c'est RE. Donc en fait son rôle à lui, ça va être de séparer ce qu'on appelle le transport de la distribution. Alors, à ne pas confondre avec le réseau de transport. Le réseau de transport, je reviens, c'est quand on reprend donc sur mon schéma sur comment fonctionne Internet, c'est un réseau à part entière. Le transport, c'est un lien physique. C'est-à-dire que le lien physique, donc le câble entre le sous-répartiteur et le répartiteur, on appelle ça le transport. C'est lui tout simplement qu'on appelle le transport. Voilà, c'est ce câble-là. Tac. Et derrière, on a la distribution. Hop, distribution. Je sais pas écrire, en même temps j'ai le micro qui me gêne. La distribution ici. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour relier un abonné, on doit s'assurer de la continuité métallique en faisant donc ce qu'on appelle une jarretière, en reliant deux positions du DSLAM vers le transport, du transport donc au niveau du sous-répartiteur vers la distribution, et on assure la continuité. On a dans certains cas, quand l'abonné est vraiment très proche du central, ce qu'on appelle un transport direct ou une distribution directe, c'est-à-dire que ça ne passe pas par l'entité sous-répartiteur, ça fait répartiteur client, en gros, tout simplement. Ensuite, on a encore une petite infrastructure que l'on trouve à ce niveau-là, qu'on va appeler PC. Voilà, tout simplement. PC pour point de concentration ou point de convergence, je crois aussi, il y a deux appellations. Ça n'a pas de grande importance. Enfin, quoique si. Après, c'est du génie civil, en fait, ce que je veux dire. Parce que, en gros, le PC, ça va raccorder quelques clients. D'accord? Donc, une partie d'une rue ou d'un square ou quelque chose comme ça. Le PC, chaque PC, est relié à un sous-répartiteur qui, lui, permet de connecter de l'ordre de quelques rues, voire tout un quartier maximum. Et enfin, on a le répartiteur qui lui couvre une zone telle une ville, approximativement. Ça dépend de sa taille, mais ça peut être jusqu'à une ville, voire plusieurs villages, si c'est en milieu plus rural. Ce qui fait que ici, c'est pareil. Alors normalement, ici, c'est déjà connecté en fait. Donc quand ça a été déployé, à l'époque, le cuivre ici, ces infrastructures-là, on n'a pas forcément besoin d'y toucher. On y touche que si on a besoin de faire la mutation de paire quand il y a dans le cadre d'un dépannage. Donc en théorie, on n'y touche pas. Donc on n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle du jarretirage. Et ici, enfin, on a la prise DTI. C'est la prise chez le client. Ou dedans on vient se brancher et ça y est on a notre accès, donc lui on n'y touche pas à part en fait si on pose juste la prise si elle n'est pas déjà posée. Voilà globalement comment sont représentées les infrastructures sur le réseau d'accès pour le cuivre.
Je vais parler un petit peu des technos parce que je pensais au début parler directement des infrastructures sur la fibre, mais je me demande si c'est pas mieux justement de tout parler d'un coup sur un tel type de support et après sur l'autre. C'était plus comme ça, effectivement. Du coup, donc voilà si les infrastructures physiques. Maintenant, comment ça fonctionne? Donc, sur le cuivre, on va parler donc pour les abonnements à Internet. On va pas parler en fait de la téléphonie donc sur le cuivre telles que les lignes RTC ou le Numéris, donc qui ont été juste des technologies pour la téléphonie en analogique, notamment pour le RTC, qui utilisent le support cuivre. Donc on va pas parler de ça. On va parler donc des technologies qui permettent de transporter de la data, donc les technologies en XDSL. Il n'y en a pas 50 milliards. Pour les plus connus, il y a ADSL, SDSL et VDSL. Le SDSL, c'est Symmetric Digital, non, SL, Symmetric Subscriber Line. ADSL, c'est Asymmetric Subscriber Line. Digital Subscriber Line, pardon, j'ai oublié un D, oui, effectivement. Et VDSL, c'est la même chose que l'ADSL, sauf que c'est version boostée. En gros, je crois que c'est Very High Bit Rate Digital Subscriber Line. On en a d'autres qui ne sont pas utilisés dans le cadre du grand public, ni même des entreprises. On a du SHDSL, des trucs chelous, faut pas chercher. C'est pas de ça qu'on va parler ici. Donc sur ces technologies-là, l'ADSL c'est le plus répandu parce que c'est l'abonnement qui est disponible pour les particuliers, qui permet, donc comme je l'ai dit, un débit descendant de 8 mégas et un débit montant de 1 méga, ce qui correspond à un débit asymétrique. Ensuite, on a le SDSL, donc pour symétrique, c'est réservé principalement pour les entreprises, notamment pour de la téléphonie en général, qui permet d'avoir un débit descendant et montant symétrique. Et enfin, on a le VDSL, où cette fois-ci, on peut, si on est vraiment collé au répartiteur, on peut monter jusqu'à 150 mégabits par seconde en descendant. Par contre, en montant, on va rester sur quelque chose de similaire à de la DSL classique, mais a priori, on pourrait monter un petit peu de l'ordre de 10 à 15 mégas à peu près, voire peut-être un peu plus. Voilà pour ça. Physiquement, comment ça se représente? Les lignes en XDSL, ça utilise donc des paires de cuivre. Les paires de cuivre sont tout simplement deux petits fils de cuivre. Voilà. Je vais pas vous apprendre ce que c'est qu'une paire quand même. Vous savez ce que c'est. Pour la DSL, on utilise une seule paire. Le VDSL également. Le SDSL, on peut utiliser jusqu'à 4 paires. Ce qui permet au SDSL d'aller un peu plus loin et de fournir du débit sur de la plus grande distance, vu qu'on peut permettre sur ce genre de situation une agrégation de liens qui nous permettent d'avoir au final un débit plus important parce qu'on utilise plus de paires. Ce qui fait que c'est plus intéressant pour les entreprises. Non seulement c'est symétrique, mais en plus ça va plus loin. Par contre, faut payer derrière aussi. Parce que ça prend forcément sur une ligne SDSL en 4 paires, ça. À la place, on pourrait brancher 4 particuliers, quoi. Forcément. En termes de distance, donc le cuivre, c'est une technologie qui marche bien. Un support physique qui marche relativement bien, hein, parce qu'à l'époque, c'était le meilleur compromis entre fiabilité, service et déploiement. Mais de nos jours, c'est vraiment de la merde. Ce qui fait que sur les offres en ADSL, on peut arriver jusqu'à 8 km grand max en termes de distance, ce qui est vraiment peu, et encore arrivé à 8 km, on tombe à un débit qui peut aller jusqu'à 1 mégabit par seconde, voire moins en descendant. Pour le VDSL, c'est éligible de jusqu'à 1 km. Techniquement, ça peut être un peu plus jusqu'à 2 km, mais à ce niveau-là, on retrouve les débits de l'ADSL, donc c'est pas hyper rentable de les mettre en VDSL à ce niveau-là. Et le VDSL, on peut aller jusqu'à, si je voudrais pas dire de bêtises, allez, si on fait ça, 8, 8, 16, 32, 10, 12 km, quelque chose du style, en utilisant 4 paires, bien évidemment. Voilà pour ça. Donc, pour les paires de cuivre, le diamètre de ces paires de cuivre varie entre 4 mm et 8 mm. En général, sur tous les câbles, donc que ce soit le transport, distribution
on est sur du 4 mm. Et pour les jarretières qu'on passe au sous-répartiteur et répartiteur, on est sur du 6 mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on wrap, donc quand on fait les connexions au répartiteur et au sous-répartiteur, bah, si c'est du 4 mm, ça casse. Donc c'est chiant. Et quand c'est du 8, bah, c'est trop gros et on n'arrive pas à le connecter comme on veut. Et pourquoi sur les câbles c'est du 4 dixième, enfin 4 mm? Tout simplement parce que si on utilisait un câble des fils un peu plus gros, ça marcherait effectivement mieux en théorie, mais derrière, faut se représenter que le cuivre, ça a du poids. Donc tirer des câbles énormes avec je sais pas combien de paires dedans, c'est lourd. Donc forcément, on utilise quelque chose de beaucoup plus petit. Je vois que ça commence à faire beaucoup assez long comme vidéo, du coup j'ai passé au support cuivre. Et puis si jamais vous avez des questions sur tout ce genre de trucs, faudra les poser en commentaire. Donc on va reprendre le même schéma pour la fibre. On a notre box. Ici, on va retrouver notre Deslam fibre. D'ailleurs, je me demande si c'est un Deslam. Oui, c'est un Deslam de toute façon. Voilà, donc c'est pareil, on a un répartiteur ou ce qu'on appelle plus communément des NRO. Mais ça pourrait être ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complémentaire sur le réseau d'accès, les NRO, NRA, les trucs déportés un petit peu, mais bon, on va se contenter d'un truc vraiment très générique. Parce qu'après, vous imaginez bien qu'il y a plein de petits trucs supplémentaires. Tac. Magnifique. Très aligné d'ailleurs. Donc la fibre. Là, on est sur un lien fibre. Globalement, ça marche de la même manière. Bon, pourquoi je l'ai pas connecté au DSLAM, c'est pas grave. Ça marche de la même manière, on assure la continuité optique cette fois-ci. Au niveau des infrastructures, on est sur quelque chose de similaire mais qui reste différent. On va retrouver une entité qui se situe en plein milieu qu'on appelle PMZ pour point de mutualisation de zone si je dis pas de bêtises. Tac. Ensuite, il n'y a pas vraiment de nom à proprement parler sur les câbles. Du moins, je ne les connais pas. Parce que moi, je suis beaucoup plus spécialisé dans le cuivre. Parce que quand j'ai travaillé chez Orange, bah, je faisais 90% de cuivre et pas beaucoup de fibre. J'en ai fait de la fibre. Hein, et j'aime pas du tout. C'est une technologie qui est magnifique. Hein, mais derrière, à faire, c'est horrible. J'aime pas. Enfin, moi, je parle de ma vie. On s'en cogne. Et on va retrouver ici ce qui fait office de PC qu'on appelle PB pour je sais plus. Je vois que je ne sais plus le nom. Et enfin, on a la prise qui se situe chez le client qui s'appelle la PTO pour prise de termination optique. Et dessus, on vient brancher notre jarretière optique via un ONT ou directement vers sa box, et c'est nickel. Donc là, l'objectif, voilà, c'est de réaliser une continuité optique sur tout le support, et ça se fait de la pratiquement, enfin, de la même manière presque qu'en cuivre, c'est-à-dire que on met une jarretière au répartiteur, enfin, et encore que non, on ne fait même pas de jarretière au répartiteur, on en met juste à la PMZ. Au PB, on fait une soudure si c'est si ça dépend de la classification du PB, parce qu'on a des PB, donc il faut faire une soudure dedans, et un PB où c'est préconnectorisé, c'est-à-dire qu'on branche juste une jarretière, et après on fait juste une soudure à la PTO. Donc dans le pire des cas, on a deux soudures. Et après, on a la jarretière vers la box, et tout est content. Alors pourquoi on ne fait pas de jarretière en répartiteur? Tout simplement parce qu'en fait, sur des offres, donc en FTTH, donc pour les particuliers, on est sur de la fibre mutualisée. Alors là, on va rentrer dans un petit peu du détail, puisqu'on a plusieurs types de fibres disponibles. Donc on a la FTTH, FTTE, FTTE, pardon, FTTO, et on a plein d'autres, FTTB, FTT, mes couilles, mais on s'en tape, ça n'a pas de grande importance, après ça reste globalement la même chose. Merde, j'ai mis FTTB, alors je voulais mettre FTTO, je suis con. FTTO. Je vais mettre par-dessus parce qu'on s'en tape de l'autre. Ouais, bon, on admettra que c'est FTTO ici, hein. Donc FTTH pour Fiber to the Home, FTTE Fiber to the Enterprise, FTTH Fiber to the Office. FTTH donc c'est pour le particulier, FTTE Entreprise, FTTO Entreprise. La différence entre FTTO et FTTE, c'est au niveau du lien physique.
En fait, un NFTTO, on va avoir le client, le répartiteur et la fibre qui fait ça sans passer par aucune infrastructure. C'est-à-dire que ce sont les premières offres fibres qui ont pu être commercialisées, notamment donc pour les entreprises qui avaient forcément un besoin primordial à ce genre de technologie. Dans ce cas-là, tu lâches un très gros chèque, ils viennent te tirer une fibre spécialement pour toi, peu importe où t'es, d'un répartiteur jusqu'à chez toi. Et derrière, tu as un débit garanti. C'est-à-dire que si on te donne une offre, on te donne une offre à 10 mégabits par seconde, tu auras 10 mégabits par seconde, quoi qu'il arrive. Tu peux avoir plus si jamais, mais bon, c'est pas ce qui les intéresse forcément les entreprises, c'est d'avoir un débit garanti. Et par contre, tu payes franchement cher. La FTTE, c'est le même principe, on a du débit garanti. Par contre, on passe par les infrastructures fibres ici. Mais par contre, on n'a qu'une seule fibre, pareil, qui est utilisée pour le même client. Tout à l'heure, j'ai parlé de mutualiser. Mutualiser, c'est dans le cadre de la FTTH. La FTTH, en fait, si vous voulez, on utilise bien les infrastructures ici. Mais on a en général une fibre entre le PMZ et le répartiteur qui est mutualisée pour un certain nombre de clients. En général, c'est 32. On peut faire plus s'il y a une technologie où on peut en faire jusqu'à 64, mais ça risque d'être de la grosse merde. Et sinon, on peut faire moins 8, 16, mais en général, c'est 32. C'est-à-dire qu'en fait, on a un prisme optique de merde ici qui divise la lumière pour connecter 32 clients sur la même fibre. Et c'est pour ça que sur la FTTH, ça marche bien, mais on n'atteint jamais le débit que l'on a. En fait, ils vous vendent des abonnements à 1 gigabit par seconde, mais c'est le lien qui est entre la PMZ et le répartiteur qui est à 1 gigabit par seconde. C'est-à-dire que vous pouvez techniquement, physiquement, arriver jusqu'à 1 gigabit par seconde. Mais c'est à condition que vous soyez tout seul sur cette fibre-là. Si vous êtes 32 abonnés, sur cette fameuse fibre qui est à 1 gigabit par seconde ou 10 gigabits par seconde, forcément vous ne les aurez jamais vos gigas. Vous les aurez jamais. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs témoignages de personnes qui se plaignent d'avoir un débit merdique en fibre. C'est parce qu'il y a énormément de personnes connectées dessus. Tout simplement. Donc la FTTE, on est quand même sur du débit garanti parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule fibre qui passe par les infrastructures fibre grand public. Mais il n'y en a qu'une seule qui arrive de bout en bout. C'est pour ça qu'on c'est plus intéressant pour les entreprises parce qu'ils payent moins cher qu'une FTTO classique. Voilà pour ça. Voilà, j'estime avoir fait le tour. Alors je pourrais rentrer encore dans plusieurs petits détails, petits machins trucs. Mais je pense que la vidéo risque va être déjà assez longue comme ça. Donc je vais m'en tenir là pour le moment. Ça fera peut-être l'objet d'un épisode 2 si jamais je trouve ça intéressant. Il y a quelque chose que j'y ai repensé en fait hier soir et ça m'a fait plutôt rire. Souvent en fait, on entend les personnes sur les réseaux cuivre qui se plaignent qu'ils sont en bout de ligne. Parce qu'ils ont un débit pourri. Et donc techniquement c'est vrai, si plus vous êtes loin, forcément moins vous aurez de débit. Mais derrière en fait il y a surtout une notion de il y a un gros tuyau qui arrive et tout le monde est branché sur le même et forcément ceux qui sont avant ils prennent et derrière ils te laissent moins. Bah en fait non. Non, non, t'as une ligne, elle est à toi, il n'y a personne d'autre qui est branché dessus. Voilà. C'est juste une question d'atténuation et de distance sur la cuivre. Et en fait, à contrario, sur la fibre, on est effectivement sur ce système-là où on est plusieurs à être branchés dessus. Voilà, ça m'a fait rire. C'est tout, ça m'a rien ajouté à ce niveau-là, ça m'a fait juste sourire. Voilà pour ça, donc voilà, j'espère avoir été assez clair sur comment est organisé le réseau d'accès au niveau des infrastructures, tout ça, un peu comment ça fonctionne. Voilà, comme je vous dis, je pourrais rentrer dans plusieurs cas un peu plus spécifiques, notamment que, enfin, l'exemple plus simple, c'est la FTTO, c'est déjà assez spécifique. Mais il y a encore plein de petites particularités que je pourrais détailler, qui pourraient faire l'objet d'une prochaine vidéo. Et sinon, si c'est pas le cas, et bien on passera au niveau supérieur, c'est-à-dire le réseau de collecte. Et là, on va pouvoir commencer à rentrer dans le dur. Bon, l'objectif, c'est pas de vous perdre non plus, mais c'est vous expliquer globalement comment ça fonctionne, quoi. Parce que c'est quand même un monde qui est assez passionnant, je trouve. Et comprendre comment ça fonctionne, je trouve ça franchement, bah, cool, quoi. Enfin,
Enfin voilà, je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais pour moi ça me plaît, donc voilà. Toujours étant que j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez la moindre question, la moindre remarque, n'hésitez pas à le poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et vous expliquer voilà, en fonction de votre question, pourquoi ça, ça fait ça, pourquoi, et comment ça fonctionne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, c'était de Boulface, et à la prochaine. Yeah. On my grind all day, gonna make a million selling that someday. You know I'm in the rhythm when I write this way. Put me in the pound when I bite this game, Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared of how others perceive. But let me be straight up, this shit is for me. Me, this shit is for me. Bitch, verbatim, working all day at these games I'm playing. Killing every shitty rapper, motherfucker slam.